Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Zirlax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle map aventure sur Minecraft. Alors, la map, c'est la malédiction du pharaon. J'utilise le pack de textures John Smith que je mets à disposition dans la description de la vidéo. Bien sûr, il faut le pâtier étant donné que c'est un pack HD en 32x32. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Hein, on va commencer cette map. Alors, on commence de nuit. Je l'ai jamais testé encore cette map. Hein, je ne connais absolument pas du tout. Alors attendez, on va passer la nuit. Non, c'est bon. Alors aujourd'hui, il y a eu la mise à jour 1.6.6 qui est sortie. Et du coup, le pack de texture John Smith n'est plus compatible. Et j'ai essayé les anciennes, il y avait un petit problème. Donc je suis repassé complètement en 1.5. Alors. Oula. Regardez-moi ça. C'est Anubis. Regardez-moi ça, c'est absolument merveilleux. Alors là, franchement, moi je dis chapeau. Il est super bien représenté, donc ils ont utilisé des blocs de fer et des blocs d'or. Je ne sais pas ce que c'est la texture noire, étant donné que c'est la première fois que j'utilise le pack de texture John Smith. Donc c'est bien aussi, ça me permet de vous montrer un peu tous les packs disponibles à travers ces maps aventures. Alors ça c'est des... ok... Alors j'ai juste lu qu'il ne fallait en aucun cas casser autre bloc que argile et les feuilles. Donc eh bien écoutez. Et qu'il fallait également, comme dans l'ancienne map The Red Muck Mystery, ramasser là, cette fois-ci ce sont des blocs d'or. Des lingots d'or, pardon, avant c'était du diamant. Et donc ensuite comparer avec vos amis ou autres, combien vous en avez eu. Donc là, il y en a un, deux, ok. Là il n'y a plus rien. Peut-être prendre un lit. Alors ici il y a quoi? Planche. Encore des... non, du bois, pardon. Mais écoutez, moi je vais me faire une petite épée car on ne sait pas ce qui va se passer. Hop. Regardez avec le pack de textures comment sont rendues les épées. Assez pas mal franchement. Alors donc regardez, c'est marqué, hein, ne cassez en aucun cas d'autres blocs à part l'argile. Collecte les lingots d'or. Ouais, pour le score final en fait. D'accord, d'accord. Donc là, à la fin, ils disent qu'il y a un piège. Pyramide des pharaons, ok. Bon. Alors, do not enter the evil place. Eh bien, moi, je vais quand même entrer. Hop. Alors oui, avec la map, vous allez avoir des notes et des musiques qu'il faudra mettre. Donc là, par exemple, alors attendez, je vais baisser la musique du jeu. C'est marqué Open Music 1. Donc là, maintenant, vous entendez une musique. Alors. Pourquoi il y a un passage là? Petite torche. Alors là, je sais, vous ne devez rien voir. Alors, hop, ok. Bon, il y avait juste un coffre avec. Ah, bah c'est pour me faire. Forcément. C'est pour me faire un briquet. À quoi il me sert? J'en sais rien. C'est peut-être parce qu'à la base il n'y avait pas prévu qu'on y arrive du premier coup. Alors vous avez eu la chance que j'ai eu du premier coup, tout à l'heure j'ai réussi. Ouais, j'y arrive plus. Alors attendez, on va essayer. Ah bah voilà. Ah c'est pas mal pensé, regardez ça. Si c'est pas merveilleux. Bon par contre j'aimerais bien avoir des torches. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est un spa. Ah, c'est pas mal.
Je sais pas ce que c'est, si c'est de la glowstone ou... Ouais mais non, de toute façon il n'y avait rien ici. Ça aurait été pas mal d'avoir quelques torches pour partir à l'aventure dans cette pyramide. Non. Bon, eh bien écoutez, c'est pas grave, hein, on va y aller comme ça. Tels de vrais aventuriers. Alors, mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, elle est vraiment pas mal cette map, donc eh bien écoutez, on verra bien. Hein. Hop. Voilà, donc alors on arrive ici. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a pas grand-chose. Par là non plus. Winnet numéro 2. Ok, donc ça il faudra que vous les regardez par vous-même. Hein. Bon. Attendez, par là il y avait un chemin. Allez, c'est parti. Alors vous devez pas avoir grand chose, voilà. C'est mieux. Ah c'est de la laine. Bon bien écoutez, on va cramer. Avec deux torches ça va pas trop le faire. Hop. Oula, c'est quoi ça? Oulala. Ah c'est des dispensers. Bon on va pas tricher, regardez, sinon on pourrait prendre toutes les flèches à l'intérieur. Ok, bon, et bien écoutez, c'est parti. Alors est-ce que je peux passer par là? Oui. Ouf. Ah donc vous voyez il y a un lingot d'or qui est sorti. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ah, il y avait qu'un lingot d'or. Bon, ça sera toujours ça, vous me direz. Ah, un coffre caché. Torche, lingot d'or et truc de pain. Ok. J'aimerais bien retourner quand même chercher les torches. Alors, hop. Ouais, franchement, ça aurait été plus simple quand même avec des torches. Hein. Masse. Voilà. Hop. Bon. Là. Encore des planches de bois, des lingots d'or, enfin un lingot d'or toujours. Mais il y avait un autre chemin possible, donc j'espère pardon que les deux se relient. Ah oui, mais de toute façon j'ai le droit d'utiliser mes blocs, donc je pourrais ramasser les planches, parce qu'il y a un coffre là-bas. Ah bon, bah, il y a une échelle, c'est parfait. Ok, merci bien. Hop. Mince, forcément. Allez. Hop, voilà. Ça promet. Mais vraiment, j'aime bien ce texture pack là, il rend super bien. J'aime bien également les torches, ouais, c'est pas mal. Alors, on arrive ici. Pourquoi une échelle? À mon avis, c'est de là d'où venait la deuxième solution. Oula. Hop. Ah, bah merci. Non, mais écoutez, c'est que c'était la seule solution. Aïe. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti. On remonte à l'échelle. Alors, forcément. J'étais sûr que ça allait rien faire, hein, forcément.
Désolé. Ah, voilà. Hop. Ferris Roberts. Oula, fait beaucoup d'os. À mon avis, ça va être ensuite pour la suite se faire des fertilisants. Encore, allez donc. C'est quoi ça, Golden Room? Non. Ah c'est ah d'accord. Ouais, c'est bon, je vois ce que c'est. Hop, alors par là, il y a un chemin. Ça fait pas mal de coffres. Oula, beaucoup trop d'os. Pourquoi tous ces os, hein, franchement. Marqué, on peut tout prendre, hein, ça ne coûte rien. Hop. Alors sachez que quand tout à l'heure je vous ai dit que la musique allait commencer, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble cette musique. J'ai juste vu qu'il y avait un lien YouTube. Hop. Et comme on a vu, on va en avoir 64, non? Bon, 63. Et donc oui, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble cette musique, hein, mais j'espère que vous avez apprécié en tout cas. Ah, petite phase d'escalade, il n'y a rien là de toute façon. Hop, allez c'est parti. Oula. Watch your head. Je sais pas. Hop. Hop, voilà. Bon, c'était pas très dur. Tous ces torches ne servent absolument à rien. Et c'est dommage, franchement, je pense que pour la prochaine partie, je me rajouterai des torches. Ah, il faut encore cramer tout ça. Voilà. J'aime bien ce concept de truc de bois qui... de sable qui tombe une fois que c'est cramé, c'est pas mal. Vous avez vu un peu quand même la grandeur de cette pyramide. Hop, donc je vous mettrai bien sûr également le lien de la map. Hein. Alors... Eh bien, c'est un labyrinthe. Déjà, là, je vois une échelle. Je sais pas si c'est autorisé de sauter. Bon, par là, c'est d'où on vient. Allez, c'est parti. Alors, soit je fais ma technique infaillible, ou alors je joue vraiment le jeu. Par là, il n'y a pas grand chose, donc je crois que je vais faire ma technique infaillible comme dans chaque labyrinthe. Vous remarquerez que souvent dans les maps aventures, quand même, il y a un labyrinthe. Bon, ça me déplaît pas, hein, mais. Hop. Allez, on fait ma petite technique. Alors, par moment, vous ne devez pas voir grand chose, désolé. Alors, hop, 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 hop. Hop. Ok. Ok. Ah, mais on arrive ici. Oh, il était pas très très compliqué. Hein. Ah, attendez, je vois. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est parfait. Alors je vous montrer où il est, car là vous devez absolument rien voir. Vous voyez, il est là. Je l'ai trouvé. Non, bon, par là il n'y a plus rien. Allez, c'est parti.
Here we go. Merci, merci. Alors, your fail time une note 4. Hop, je prends ça, une pomme. Ça fait quand même 11 lingots d'or. J'espère en récolter le maximum car dans la map précédente, je n'avais pas eu beaucoup. Mince, non, c'est de la TNT. Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Alors là, il y a un bloc. Ouh là là. Je crois que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Alors là, on voit le début. J'ai l'air malin maintenant. Bon, eh bien, écoutez, tant pis, hein. Hop. Bah, de toute façon, si je pense, je pense que c'était la seule solution. Alors là, il y a un coffre, il n'y a rien dedans. Ah, je suis retombé dans le labyrinthe. Ok. Je vais remonter. J'avais pas reconnu avec le pack de textures que c'était un labyrinthe. Alors il faut arriver là-haut. À mon avis, là-haut, il y aura. Il y aura un minecart sûrement, même plusieurs. Allez, c'est parti. Donc bon, bah, je pense que c'était ça à faire, hein. De toute façon, on était bloqué. Alors, attention, pas rater le minecart, c'est bon. Petite descente. Ah, il y a pas mal de torches, là, ça pourrait être efficace. Regardez la pierre aussi, comment elle est pas mal faite avec le. Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Ouh là là là, j'espère que vous avez tout eu. Également, oui, il faut repasser en 1.5 pour faire cette map aventure. Je viens juste de le remarquer. Mince, alors, oh là là, forcément. Mince. Je viens de passer à travers le mur, en fait. Ça arrive assez régulièrement. Mince, mince, mince. Bah, attendez. Je vais remonter en vitesse. Voilà, vous voyez. Et donc, oui, donc il faut faire cette map en voiture en 1.5, pardon, car les rails boosters, vous savez, quand vous collez deux rails, eh bien, ils se propulsent ensemble. Eh bien, cette technique ne marche plus en 1.6. Hop. Voilà. Alors, your minecart stop may need to work the rest. Ok, donc en gros, il faut continuer à marcher pour le reste. Un petit courant d'eau. Pas marcher tout ça quand même. Alors, on va prendre un minecart, hein. Ah, c'est un magnifique fail. Voilà. Ah, regardez ça. Non, c'est pas vrai. Alors ça, franchement, je dois avouer que c'est... Regardez, on rentre dans la. Alors là, franchement, ce passage était vraiment pas mal du tout. Ah, longue chute. On va peut-être pas rester dans l'eau, hein. Alors, si y a un passage. Ouh là 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 là. Il faut un bateau. Ok. Alors vous avez vu un peu le passage en multicolore, il était franchement mais pas mal du tout. Bon. Eh bien, je pense qu'il est temps de s'arrêter là pour cette première partie de map aventure. En tout cas, elle est vraiment pas mal du tout, cette map aventure, même énorme, j'ai envie de dire. Peut-être même encore mieux que ce Red Muck Mystery, qui sait. Je n'ai pas encore vu la suite, donc je ne peux pas savoir. Hein. Non, de toute façon, il n'y a rien.
Bon, et bien en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne pour pouvoir me suivre plus rapidement. Et je vous dis à la prochaine, peut-être pour la partie 2 de cette map aventure. Salut tout le monde!